chères Marcelaises, je vous remercie pour votre présence, ainsi que pour celle de mes chers collègues, élus ou non, anciens élus, mesdames, messieurs les maires ou leurs représentants, monsieur Jean-Luc Bléher, président de l'Oust à Brosséliande Communauté, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, adjudant Colin, chers vous tous, bienvenue à vous. Je tiens à excuser les personnes qui ne peuvent être présentes aujourd'hui, car retenues par d'autres obligations. Messieurs Joël Labbé et Jacques Lemay, Madame Muriel Jourda, sénateur du Morbihan, Monsieur Paul Molac, député du Morbihan, Monsieur David Lapartien, président du Conseil départemental, Madame Rosane Guégan et Monsieur Stéphane Hamon, conseillers départementaux, ainsi que Monsieur Alain Launay, maire de Peucaduc, et son équipe qui ont leur cérémonie de vœux ce soir également, tout comme Madame Marie-Hélène Héry, maire de Saint-Malo-de-Bénion, et Madame Muriel Hervé, maire de Tréal. J'excuse également Madame Chantal Chevalier, conseillère municipale, qui est souffrante, Monsieur Jacques Lehir, conseiller, ainsi que Madame Émilie Lebloc, agent périscolaire qui est en déplacement pour des examens professionnels. J'ai une pensée également pour toutes les personnes qui auraient souhaité être parmi nous ce soir, mais qui en sont empêchées pour cause de maladie, handicap ou hospitalisation. C'est avec grand plaisir, mais avec une certaine émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première cérémonie des vœux de notre équipe municipale. Cette cérémonie est donc l'occasion de vous souhaiter l'enthousiasme, la force et le courage nécessaires pour transformer vos vœux en réalité. Toute mon équipe et moi-même tenons à vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de sérénité, de paix et d'espoir. Notre début de mandat a été, comme pour tous nos collègues élus, marqué par la pandémie de Covid, ce qui n'a pas facilité notre installation, tant au niveau communal qu'intercommunal. L'année 2022 restera gravée dans nos mémoires, avec le décès brutal, le 21 février, de notre regretté maire, Armin Pousselot. J'ai donc une pensée toute particulière pour ses proches. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'appuyer sur mon équipe municipale, ainsi que sur mes collègues élus, maires. J'ai trouvé beaucoup de soutien et de solidarité. Je les remercie sincèrement. Nous formons une belle et grande équipe. L'équipe, le collectif, c'est ce qui nous permet de nous surpasser, ce qui donne à chacun d'entre nous la possibilité de mener à bien nos actions, de réaliser à plusieurs ce que nous n'aurions jamais fait seuls. Il y a un proverbe africain que j'affectionne particulièrement qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Il illustre parfaitement le nom de notre liste « Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel ». Une équipe d'hommes et de femmes enthousiastes et volontaires, engagés au quotidien dans la vie de leur commune et dont le seul but est de servir l'intérêt général. Nous retiendrons donc deux mots essentiels pour cette nouvelle année. Ensemble et avenir. Tout d'abord, ensemble. En effet, tous les acteurs sont indispensables au bon fonctionnement de notre commune. Vous, Marcelaises et Marcelais, les bénévoles, membres et présidents d'associations, les divers acteurs économiques, sociaux et éducatifs, les pompiers, les représentants des forces de l'ordre, du culte, les collaborateurs de l'OBC, les partenaires financiers, l'État, la région, le département, et tout particulièrement vous, chers collègues élus, membres du CCAS, personnel de la résidence autonomie, agents des différents services municipaux, dont le personnel administratif, Anita, Cathy et Aurore, le personnel technique, Ludovic, Thierry et Didier. Didier est en arrêt maladie, il va être remplacé par Maxime, à qui nous souhaitons la bienvenue.
ainsi que le personnel périscolaire, Amélie, Nicole, Isabelle, Sylvie et Émilie. Un grand, grand merci à vous tous pour le travail réalisé au quotidien, dans le respect et le soutien. Sans vous, nos projets ne verraient pas le jour. Je remercie également nos conjoints respectifs qui se montrent tolérants lors de nos nombreuses absences le soir ou le week-end. Et maintenant, l'avenir. Nous faisons volontairement le choix de ne pas revenir sur le contexte actuel que nous connaissons et subissons tous. C'est avec le regard tourné vers l'avenir que nous souhaitons avancer ensemble. Nous misons sur l'avenir pour donner à nos jeunes marcelaises et marcelais les meilleures conditions pour apprendre, grandir et s'épanouir. Chaque membre de notre équipe apportant sa pierre à l'édifice, je vais donc maintenant leur laisser la place afin qu'ils puissent se présenter. Mais juste avant, je voudrais adresser mes sincères pensées à Didier, Annick et Pascal qui sont en arrêt longue maladie. À toi de commencer. Bonsoir. Alors Didier Thébault, je suis le premier adjoint, alors je suis en charge de la finance, des bâtiments et de la voirie. La technique. Ah, je ne sais rien. Bon, je vais me répéter alors. Ça ne marche toujours pas. Bon. Alors, je vais parler plus fort. Didier Thébault, premier adjoint, en charge de la finance, de la voirie et des bâtiments. Ben, je vais parler fort aussi. Bonsoir, Nolwenn Modicom, deuxième adjointe. Je suis chargée, entre autres, commission des affaires sociales, scolaires, culture et finances. Germain Charvel, je suis troisième adjoint. Je suis en charge des bâtiments, l'économie et des finances. Aurélie Rouleau-Chirel, je suis conseillère déléguée à la communication, aux affaires scolaires et au patrimoine. Christophe Brun, conseiller délégué à la communication, culture et sécurité. Isabelle Lebouest, conseillère déléguée aux affaires scolaires et sociales. Ludovic Boulot, conseiller délégué à l'urbanisme, les travaux et la voirie. Annick Mouidi, à la commission communication et sport. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Xavier Léna, j'interviens dans les commissions voirie, culture, scolaire et association. Fanny Jiquel, je fais notamment partie des commissions communication, sport, affaires scolaires et CCAS. Michael Surgin, je fais partie des commissions communication, voirie, FOSA et le scolaire. Conseillère municipale et je suis dans la commission urbanisme, CCAS et finances. Merci à vous tous. Je fais le choix que ce soit mes adjoints et conseillers délégués qui vous exposent ce qui a été réalisé en partie au cours de l'année 2022. C'est pour moi une façon de mettre à l'honneur leur travail et leur investissement. Didier, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2023. Ce soir, je vais vous parler des travaux de voirie 2022, représentant un budget de 58 718 euros DTC. Ce sont des travaux de dérasement, de curage de fossés, de revêtement bicouche ou monocouche selon les endroits. Alors, je vais vous citer les endroits où les travaux ont lieu. De la RD 776 au village de la Pavioté, du village de la Pavioté à la rue de la Pavioté, et du giratoire de la butte de l'étang au Bavoué, de la RD10 à la Méditerranée, à la métairie de l'année, de la voie parallèle au canal jusqu'à la barrière noire.
Un calage, décollement et compactage ont été réalisés du haut du bourg vers le Bois-Joli jusqu'à la limite de la commune de Séran, ainsi que du blocage de riz sur 1750 m. 5 tonnes de pointe à temps ont été mises sur les routes de la commune. Ce sont les gravillons bitumés qu'on met régulièrement pour boucher les petits trous. Il y a eu également le passage de l'épareuse et du lamier sur l'ensemble de la commune. Le busage du fossé rue l'Abbé Guyedeau et la réalisation du chemin piétonnier autour de la résidence des Chênes qui sont appréciés par les résidents. Concernant le lotissement de la Sente Verte, l'ensemble des lots de la dernière tranche sont vendus et de nombreux permis de construire sont déjà déposés. Vous avez pu voir les panneaux fleurir au passage si vous êtes passé devant. Donc j'en profite pour remercier au nom de la commune le conseil départemental pour l'aide exceptionnelle de 50 000 euros pour l'année 2021 ainsi que pour l'année 2022, en espérant qu'elle soit reconduite en 2023. Merci de votre attention. Je passe la parole à Germain. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Concernant les finances de l'année 2022, vous allez recevoir d'ici quelques jours le bulletin municipal où vous retrouverez les détails du compte administratif. Une chose est sûre, la commune est bien gérée. J'en profite pour remercier Anita, notre DGS, pour son travail, son implication et ses conseils depuis de nombreuses années. Au cours de l'année, nous avons eu 4 entreprises qui se sont installées dans notre commune. Lucette Gosselin, apicultrice et arboriste au Haut-Brouet, Clara Barbaro, coussinette, toilettage animalier à la langue, Norévia, ambulancier installé sur l'ancien site Charrier-Terré, et l'AFCA, entreprise de nettoyage de véhicules sur le site du Super U. Très important à savoir, et dont nous pouvons être fiers, que la commune dispose d'un tissu économique important avec près de 800 emplois. Saint-Marcel a réalisé 2 projets majeurs en 2022. Les vestiaires ont été construits sur l'aile du bâtiment de la salle des sports avec une surface de 91 mètres carrés pour un montant total de 335 000 euros, subventionné à 40%. Autre projet, la construction de l'extension de 4 logements supplémentaires à la résidence des Chênes, montant total 850 000 euros, subventionné à 50%. Nous avons également installé des pare-ballons le long du stade de foot à la place des sapins pour une meilleure visibilité, montant des travaux 28 000 euros, également subventionné. Je remercie pour l'ensemble de nos projets le conseil départemental, la préfecture du Morbihan, la CARSAT et la MSA. De beaux projets sont à venir, dont je laisserai Armel vous les annoncer. Pour conclure, j'ai une pensée et une émotion très forte pour Armel Rousselot ce soir, car il y a tout juste 3 ans, Armel s'était lancé l'objectif de constituer une liste pour les élections 2020. L'ensemble du conseil, la mairie et le service technique pensent beaucoup à Armel. Merci pour votre attention et je passe la parole à Ludovic Boulot. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais également vous souhaiter une très bonne année 2023. Je vais vous parler de 3 sujets qui ont marqué l'année précédente. Tout d'abord, les travaux au lotissement du Bigny. C'est le premier lotissement qui a été construit sur Saint-Marcel en 1976. Et il était temps de le restaurer. Les travaux du lotissement du Bigny ont été planifiés en 3 phases. En avril, la première phase concernait la réfection totale des différents réseaux d'eau, les eaux usées, pluviales et eau potable. Les travaux ont été réalisés par la société Alré-TP. En juin a commencé la 2e phase concernant l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que la remise à neuf de l'éclairage public. Pour cette étape, la société INEO est intervenue pour la réalisation des différents travaux. La 3e et dernière phase concernait l'aménagement de la voirie par l'entreprise Colas. En septembre, l'entreprise Duval Paysage a ensuite démarré l'aménagement paysager en novembre, actuellement en cours de finalisation. La municipalité remercie tous les acteurs de ce projet qui ont contribué à la réussite des travaux. Le VOSA pour le financement du réseau des eaux usées, sa présence et ses conseils techniques. Morbihan Énergie pour sa participation au financement de l'effacement des travaux.
le département pour la subvention accordée à la réalisation des travaux. Et nous remercions aussi les habitants du lotissement pour leur compréhension face aux désagréments occasionnés sur cette période. Second sujet, la révision du PLU, le plan local d'urbanisme. Qu'est-ce que c'est ? Le PLU est un document qui, à l'échelle de la commune, traduit un projet global d'urbanisme et fixe les règles d'aménagement et d'utilisation des sols. En avril dernier, nous vous présentions, lors d'une réunion publique, le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. S'en sont suivies de nombreuses réunions de la commission urbanisme et d'autres avec les services de l'État, tels que le SCOT ou la DDTM. La révision d'un PLU est une lourde et fastidieuse tâche. Nous continuons le travail avec l'aide du bureau d'études Urbain Ouest et les différents acteurs économiques. La prochaine réunion publique est prévue le mercredi 8 février à 19h à la salle de Loust, rue du Calvaire. Troisième et dernier sujet. Pour cette année 2023, la commune de Saint-Marcel s'est portée en maîtrise d'ouvrage associé du contrat territorial du Grand Bassin de Loust, volet milieu aquatique, porté par le syndicat mixte du Grand Bassin de Loust, le SMGBO. Dans ce cadre, une étude de diagnostic est lancée sur l'ensemble du bassin versant correspondant au ruisseau du Perret, du Musée et au ruisseau de l'Étang. L'objectif est d'établir un programme d'action solutionnant les problématiques d'inondation du bourg tout en améliorant l'état écologique des cours d'eau et zones humides. La partie étude se déroulera sur une année environ, donc c'est-à-dire l'année 2023, et la mise en place du programme d'action sera probablement étalée sur 2 ou 3 ans. L'étude, par son caractère d'amélioration de l'état écologique, est subventionnée à 70% à minima. Les futurs travaux, validés à l'issue de l'étude, pourront être entièrement intégrés dans la programmation du contrat de la CLEP et donc pris en charge par le SMGB. Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à Noël. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Avant de commencer, je voudrais adresser un remerciement à Chantal Chevalier, qui est excusée ce soir, pour le travail que nous effectuons depuis 2 ans à répertorier le cimetière de Saint-Marcel. Je souhaiterais également remercier quelqu'un qui est parmi nous ce soir, M. Jean-Paul Séné, pour son investissement au sein de la vie associative marcelaise et lui souhaiter une douce retraite sportive et associative. En charge des affaires scolaires et sociales, je travaille avec Aurélie Rollo-Chérel et Isabelle Ouestre. Pour les commissions culture et associations, c'est avec Christophe Brun que nous échangeons. L'école Sainte-Thérèse compte 4 classes, 99 élèves à ce jour. Quelques tout petits vont faire leur entrée dans les mois à venir. 7 élèves de Saint-Marcel sont scolarisés à l'école Paul Gauguin de Malétroit. Nous remercions l'équipe enseignante pour son investissement, les temps de partage et d'échange intergénérationnels au sein de la résidence autonomie. Un projet de réaménagement de la cour de récréation est en réflexion. Sur le temps périscolaire, nous avons une moyenne de 85 enfants par jour à la cantine et 45 à la garderie. Nous avons recruté un agent supplémentaire sur le temps du midi pour le confort des enfants et du personnel. Avant de terminer et de passer la parole à Aurélie, je voudrais, au nom du conseil municipal et des agents de la mairie, c'était pas prévu cette petite phrase. Nous tenons à remercier Armelle, pour son enthousiasme, son implication et sa bienveillance. Aurélie, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi, je suis un peu plus petite que le reste. Secondant Nolwenn dans les affaires scolaires et sociales, je suis en charge du CME, donc le Conseil municipal des enfants, ainsi que de la mission Argent de poche. Qu'est-ce que le CME ? Le CME permet aux jeunes de participer activement à la vie de leur commune.
C'est un lieu d'apprentissage pardon, de la citoyenneté, de réflexion, de discussion, de propositions et d'actions pour nos jeunes élus. Il a démarré en 2020 avec peu d'actions dues au Covid. Néanmoins, le groupe installé sur 2020-2021, je l'ai gardé un petit peu plus longtemps avec moi, donc Enora, Jade, elle n'est pas là, ok, Zoé, Tristan, Nolan et Samuel qui est absent, ils ont pu organiser une journée éco-citoyenne. C'est une journée qui consiste à ramasser le maximum de déchets que l'on peut trouver dans sa commune. Nous avons eu la chance d'avoir des élus, des parents, ainsi que d'autres enfants de la commune. Une journée appréciée de tous qui sera, j'espère, renouvelée cette année. Depuis octobre 2022, un nouveau groupe s'est installé. Margot, Joanne, Camille, Naya, Simon, Maïs, et il manque Mia. Je profite pour les remercier. Pour tous pour leur implication et je prends un réel plaisir à partager des moments avec vous. L'argent de poche. En quoi consiste l'argent de poche? C'est un dispositif qui permet aux jeunes de 16 à 18 ans d'être accompagnés pour un premier emploi par nos agents techniques ou administratifs afin d'effectuer des petits chantiers de proximité à l'occasion des vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation. Je remercie l'équipe technique et administrative pour leur bienveillance avec nos jeunes. Le bilan 2022 a été positif et sera reconduit en 2023 avec deux sessions. Merci de votre écoute. Je donne la parole à ma collègue Isabelle. Bonsoir. Un petit mot pour nos aînés. L'année dernière, grâce aux allègements des protocoles sanitaires dans le cadre de la Covid, vous avez pu participer à des moments de convivialité, comme le repas du 11 novembre, offert par le CCAS aux personnes de plus de 70 ans. En ce début d'année, un colis a été offert aux personnes hospitalisées ainsi qu'un coffret gourmand aux personnes de plus de 85 ans qui ne pouvaient participer à ce repas. Le CCAS met également en place des actions auprès des personnes âgées comme la Semaine Bleue et d'autres actions en cours d'année. Nous tenons à remercier les pensionnaires de la résidence autonomie ainsi que les agents pour leur patience et leur compréhension suite aux travaux d'agrandissement et de réhabilitation de l'établissement. Les résidents ont su s'adapter avec compréhension aux conditions de vie particulières. Les travaux terminés permettent de profiter du nouveau réfectoire spacieux et lumineux, ainsi que d'une salle réservée aux animations. De nombreuses activités sont mises en place dans la structure, permettant ainsi de créer du lien entre les pensionnaires, les bénévoles, les intervenants extérieurs et le personnel. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 3 pensionnaires dans 3 nouveaux logements et attendons une nouvelle entrée dans les jours à venir à la résidence autonomie. Ainsi, la résidence aura atteint sa capacité maximum de 27 résidents. Belle année à tous. Je passe la parole à Christophe. Bonsoir à tous. Bonne année, tous mes voeux. Alors, moi je suis principalement présent au sein de la commission communication. Notre groupe réalise entre autres le bulletin municipal que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. On réalise aussi différentes affiches et différentes communications que vous avez certainement vues ou croisées dans les différents commerces à Saint-Marcel ou sur le tout nouveau panneau d'affichage lumineux de la mairie. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à nous transmettre tout au long de l'année vos dates d'événements associatifs. Nous ferons un plaisir de les afficher et de les faire diffuser à l'ensemble de la population. En prise également avec la commission culture, vous m'avez certainement croisé lors des différentes commémorations nationales ou locales. Qui sont organisés donc, par la municipalité, entre autres pour le 18 juin, le 11 novembre. En général, donc, c'est moi qui monopolise le micro. Vous m'avez peut-être croisé aussi sur d'autres événements qu'on a organisés avec l'ensemble du conseil, des événements plus joyeux comme le marché de Noël,
qu'on a mis en place afin de promouvoir les activités locales en décembre dernier. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais repasser la parole à notre maire, Armel. Merci à vous tous d'avoir accepté de présenter votre travail. Je vais maintenant vous parler de nos projets pour cette nouvelle année. Tout d'abord, notre projet phare, la création d'une nouvelle cantine et garderie nécessaire au vu de l'augmentation du nombre d'enfants utilisant ce service. Le bâtiment sera implanté rue du Maquis, en accès direct avec l'école. Cela sécurisera les déplacements des enfants. Nous serons vigilants sur l'aspect environnemental de ce projet. L'appel d'offres pour le choix de l'architecte est lancé. Les travaux devraient démarrer en fin d'année. Cette réalisation apportera du confort aux enfants ainsi qu'au personnel. Ce sera un atout supplémentaire pour notre commune. La cantine actuelle sera reconvertie en salle de conseil et salle des mariages et permettra donc un accès PMR. Puis, ce sera un nouveau cabinet pour les kinésithérapeutes qui ne souhaitent plus être locataires. La volonté du conseil municipal étant de leur apporter notre soutien afin qu'ils restent sur la commune, nous avons fait le choix de leur vendre une parcelle d'un terrain communal situé à proximité de la résidence autonomie. Ceci à un prix très attractif. Nous aimerions pouvoir accueillir des professionnels de santé afin de compléter notre offre. Le cimetière et la place du monument aux morts vont faire l'objet d'un réaménagement. Accompagnés par le CAUE 56, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan, nous menons une réflexion sur l'aménagement paysager en tenant compte des nouvelles demandes des usagers. Nous menons également une réflexion sur la récupération des eaux pluviales, notamment pour l'arrosage des terrains de foot. Nous allons procéder à la rénovation du complexe polyvalent en refaisant les peintures et en changeant les rideaux. Un bilan va être fait concernant les ouvertures. Une fresque sera réalisée sur le mur des nouveaux vestiaires du complexe sportif par M. Alain Gru, avec l'implication des jeunes du Conseil municipal des enfants. Également, un programme de voirie concernant les secteurs de la ville Frioul, Bélion, les Basses-Landes, le Carouge, le Vaugas, le Val-des-Pins, le chemin de Gandouin, la rue des Genêts, ainsi que le pont de Mokpe. Le projet de construction d'une nouvelle passerelle à l'année avance, avec la commune de Saint-Abraham qui porte le projet et notre commune liée par une convention. Nous avons retenu le scénario de construction d'une passerelle en aluminium d'une seule travée et en aval de l'existant. La rédaction du programme d'ouvrage d'art est en cours. Elle sera accessible aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux cyclistes ainsi qu'aux cavaliers. Concernant les sujets dont la communauté de communes a des compétences, tels que les ordures ménagères, l'habitat, la mobilité, les services à la population, dont France Service entre autres, je vais laisser le président de l'OBC vous les exposer. Jean-Luc, je te laisse la parole. Moi, je suis un peu plus grand. Madame le maire, merci de me donner la parole et de m'avoir invité. Je salue aussi tout le conseil municipal, les adjoints, mes collègues élus du conseil communautaire, vice-président, et aussi les jeunes. C'est l'avenir de votre commune, de toutes nos communes. Je salue tous les uns et les autres, les représentants de la gendarmerie, des pompiers. Et je salue aussi madame, l'ancien maire, et l'ancien maire aussi qui est ici devant moi.
Bonsoir à tous. Vous dire que je suis très heureux de participer ici au vœu. Je ne peux pas être partout. Il y a 26 communes sur la communauté de communes, mais je souhaitais Armelle être ici à Saint-Marcel. Elle a la mémoire aussi d'Armelle Rousseau avec qui j'ai travaillé. Et aussi pour te dire, avec nos collègues, tu nous en as parlé tout à l'heure, notre soutien, Armelle, et notre solidarité dans la prise de ton nouveau mandat. Ça se passe bien. Et nous sommes très heureux de t'accueillir au sein de la communauté de communes. Alors Saint-Marcel m'est assez familière parce que vous savez que la communauté de communes, le siège est juste à côté. Et il se trouve que je passe à Saint-Marcel des fois par la 4 voies, des fois par Malétroit, au moins deux fois par semaine, voire trois fois. Donc j'ai aussi suivi les travaux, j'ai vu la coupe des arbres, si je me rappelle bien, au niveau du stade, j'ai suivi les vestiaires, et je suis le lotissement aussi qui avance, et c'est très bien, ce qui prouve bien que la commune est dynamique. Donc je vais vous parler de la communauté de communes. Je ne peux pas le dire en quelques mots, mais je vais essayer de ne pas être trop long. Donc comme tu le disais aussi, on a été retardés nous, dans nos projets un petit peu du fait de la pandémie et aussi de la crise, donc de la crise sanitaire, mais aussi on a des conséquences en matière de crise internationale qui nous posent question, comme à toutes les collectivités. Du coup, les élus communautaires nouveaux, ça a été un peu compliqué pour leur prise de fonction, de connaissances, parce qu'on travaillait à distance et c'était pas facile. Et donc on essaie en ce moment, à partir de cette année, de rattraper le retard. Donc la communauté de communes, vous savez que je l'ai calculé, donc moi je suis président depuis 6 ans, hein, elle a fusionné, on a pris quelquefois de déboires, mais on y arrive. Je crois qu'aujourd'hui on n'est pas encore en pleine maturité, mais je pense qu'on va y arriver. Donc depuis 2017, avec un nouveau mandat en 2020 pour 6 ans jusqu'en 2026, nous sommes 49 élus, 26 communes, je le disais à l'instant, un budget consolidé de 55 millions d'euros, un bureau dont des collègues sont là, la manière domiciliaire, Christelle, et d'autres. Nous sommes 11, plus le président au bureau et 4 conseillers délégués. Et aujourd'hui, je regardais, hier j'avais une réunion avec le personnel, et nous sommes, il y a à la communauté de communes, 230 collaborateurs. Donc c'est une entreprise moyenne, une PME publique avec une répartition sur les 3 ex-chefs de canton, des personnels, notamment le siège social étant ici, Régassi, et Guerre et Malétroit, pour garder la proximité avec les élus. Donc on a beaucoup de compétences, la principale étant l'économie, je vais revenir tout à l'heure là-dessus, mais c'est bien pour le développement de nos territoires, au service de l'intérêt général et de la population, et pour maintenir cette population sur place et lui proposer des activités. J'ai l'habitude de dire souvent, vis-à-vis des entreprises, que nous sommes, nous, les élus, des facilitateurs. On les met en relation et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent s'installer dans les meilleures conditions possibles. On a des avantages, ici, je le dis, en Bretagne Sud, et c'est un endroit du Morbihan. On est à un carrefour stratégique sur le plan routier. On est bien desservi et c'est donc un secteur très attractif. Je peux dire aussi que on a de nombreux projets, on essaie de s'appuyer et de travailler naturellement avec les élus municipaux et de réfléchir au sein du bureau, d'une conférence des maires. Hein. Moi, j'ai l'obligation de réunir les maires dans une conférence à peu près tous les 2 mois où on évoque en avant-première les sujets en cours et ceux qui sont prévus au conseil communautaire. Juste pour faire court et simple, globalement, on a articulé notre organisation, notre travail, nos projets autour de 2 axes. Le premier, c'est l'économie, hein, le développement économique au service du développement des services. C'est le 2e axe dont je parlerai tout de suite, parce que l'économie, c'est l'essentiel, ce sont les ressources de la collectivité. Je le disais à l'instant, ça permet de l'emploi, de l'activité, de fixer la population qui est ici et d'en attirer d'autres. Donc, on a plusieurs projets, dont en premier lieu, l'extension des parcs d'activité. Donc, vous en avez ici sur Malétroit, à Tirpaine. On en a pas loin aussi le Gros Chêne sur la Cadebois, qu'on est en train d'étendre. On a aussi Boal. On a 6 parcs d'activité sur la Cadebois entre Guerre et entre Boal. Donc, on en a aussi dans l'arrière-pays, à la Gassie, je pense au Boussard, et aussi à Carantoire. Donc, il faut requalifier ces parcs, les étendre pour avoir une offre à proposer aux entreprises. Donc on travaille là-dessus. Le soutien au commerce et à l'artisanat. Et avec Armelle, on a dans l'épicerie de Saint-Marcel
été voir les financiers qui ont bénéficié du pass commerce. C'est une aide conjointe de la région et de la communauté de communes à hauteur de 7 500 €, partagée à 50% par les deux. On aide aussi les agriculteurs, etc. On a aussi un programme de petites villes de demain. J'en ai parlé avec la Carole l'autre jour. C'est un programme national. On est 3 communes qui avons été retenues ici. Guerre-Lagassime à l'Étroit, c'est pour les communes de moins de 20 000 habitants. On peut avoir des aides supplémentaires de l'État, au travers de différents dispositifs qui existent, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour restructurer les centres-villes, favoriser la mobilité aussi. Et il se trouve qu'on avait proposé, puisqu'on est dans ce territoire ici, les ex-chefs de canton, Guerre-Lagassime et Malétroit, puisqu'on m'a interpellé là-dessus le jour à Caro, en me disant, mais vous avez pris 3 bassins, on en a pris un au sud, on avait pris un au centre, et un plutôt à l'est, et Malétroit refusait d'adhérer au dispositif, ce qui fait qu'il n'est pas pris en compte dans le dispositif qui va être développé, et je disais à mes collègues qui m'interpellent, c'est pas de notre fait, c'est du fait de la commune de Malétroit, je ne fais pas le procès de la commune de Malétroit, elle fait ce qu'elle veut, mais je trouve ça dommage. Du coup, on a réussi à obtenir que notre commune en bénéficie, ça a été serrant. Mais c'est intéressant parce que ça permet de... On est aidé par un cabinet qui fait le point, qui a fait un diagnostic du territoire et qui nous permet d'avoir des axes importants d'orientation. Il y a plein d'autres choses, et notamment sur le logement. On va essayer de travailler aussi sur le logement, notamment avec les bailleurs sociaux. Moi, je les ai vus tous, les 5, pour faire en sorte que... Ils se développent sur des sites différents, ils n'ont pas uniquement sur un seul site pour avoir un programme global, et aussi, parce qu'il ne s'agit pas de procurer du travail, mais il faut aussi procurer et proposer des logements. Il y a aussi d'autres dispositifs en matière d'environnement, mais je ne rentre pas dans le détail. On est très attaché aussi ici, parce que c'est un avantage important, au développement de l'économie touristique. On a la cité de caractère de Malétroit, on a la forêt de Brosséliande, on a des manifestations qui sont organisées à Lagassi, je pense, on a la cité Valcroto, naturellement, et puis la Madone de Moteur, enfin, etc., je ne rentre pas dans le détail, on a tout un système, un dispositif de santé, de randonnée, etc., et puis, naturellement, ici, un équipement majeur qui est le musée donc de Saint-Marcel, qui a été rénové, qui va monter en puissance progressivement, et donc... depuis 2 ans, moi je travaille aussi à l'idée qu'il y a nécessité de le signaler plus, de renforcer la signalisation, de jalonner à partir de la Cadoie et aussi en venant par le centre de Saint-Marcel, et de l'identifier aussi localement, puisque bon, quand on arrive sur le musée, on ne sait pas forcément si on ne connaît pas que c'est le musée. Donc ça va arriver, mais il faut travailler avec l'État, avec le département, il y a des règles à respecter, les plans sont faits, les panneaux sont en fabrication, donc... Ça participe aussi du développement de Saint-Martin parce que ça génère de l'activité et du passage. Sur l'axe 2, je disais que les services se développent grâce aux recettes que nous avons. On restitue une partie de ces recettes aussi aux entreprises en requalifiant les zones, mais ça sert aussi à organiser des services de proximité à la population. Tu as parlé tout à l'heure de la mobilité. Donc on travaille sur la mobilité, j'étais tout à l'heure. En début d'après-midi à Plélan pour inaugurer, même si elle fonctionne depuis le 3 janvier, la ligne Plélan-Redon. C'est une ligne financée en partie par la région et en partie aussi par la collectivité. Et c'est une affaire qui nous coûte quand même presque 1,4 million d'euros, à peu près 50% financée par la région, du fait d'une subvention qu'on a et d'une atténuation de la subvention aussi relative au transport scolaire. Et le reste est à financer en fonction de la distance parcourue. On a fait ça à 3 communautés, Redon, Plélan pour faire court et nous. Et donc la participation qui reste est partagée entre les 3 communautés au regard de la distance parcourue sur le territoire et puis du nombre d'arrêts. Et donc nous, ça nous coûte grosso modo 550 000 euros et on va lever aussi des fonds auprès des entreprises par le versement transport qu'on a mis en application là à hauteur de 0,40% de la masse salariale. Pour les entreprises de plus en salariés, pour financer ces services. Mais, retour aussi aux entreprises, puisqu'on a organisé les dessertes, celles-là en tout cas, avec des horaires décalés. Ça veut dire que des personnes qui travaillent en équipe au groupe Rocher, sur l'axe, et à Mille Buffet par exemple, ou à Plélan, peuvent bénéficier du bus le matin et rentrer le midi en bus, sans utiliser leur voiture. Alors vous me direz ici, à l'ouest, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on y travaille.
Je discutais avec les représentants de la région tout à l'heure, et ils sont en train de renégocier les contrats qu'ils ont en prestation de service avec les intervenants, les transporteurs autocaristes d'ici à 2026. Donc on s'inscrit dans ce dispositif pour favoriser la desserte d'ici, de Malétroit, vers Vannes en particulier. On a pris contact, on a une réunion début février avec Vannes Aglo et avec le Hermès, parce qu'il faut que nous travaillions avec juste un dernier point. Donc on n'oublie pas l'Ouest, mais on a mis un an, voire un an et demi à construire l'autre ligne, donc il faut que nous avancions. Et pour qu'elle perdure, il faut qu'elle soit fréquentée. Et c'est le cas. C'est très bien parti sur l'autre ligne. J'ai eu les chiffres ce matin. Et puis aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'intra-communautaire, le territoire. Et donc on a 5 secteurs qui ont été dessinés pour mettre en place des services de transport à l'intérieur de la communauté de communes. Sur 5 secteurs, il y en a ici aussi. Et on aura, il sera en service le 23 février avec donc 5 secteurs qui desserviront les ex sur le Canto pour aller au marché, pour faire des courses, pour aller voir les médecins, à raison de 2 jours par semaine, voire 3 à terme, et qui se connecteront avec, par exemple, la ligne Redon-Léan et avec la ligne Rennes-Pontivy qui passe, par exemple, là où je suis maire, à Guerre. Ça veut dire qu'on pourra partir de chez soi, aller à Rennes sans avoir besoin de prendre sa voiture. Mais c'est un chantier important et qui participe aussi de l'activité et l'attractivité du territoire. Tu as parlé de garderie, on a aussi des services multi-accueil. On a 7 multi-accueil, dont un ici, pas loin à Malétroit, un autre pas loin à Ruffiac et un 7e qu'on va ouvrir à La Gacie bientôt. Là aussi, c'est un retour pour les entreprises, parce que les multi-accueils favorisent la quiétude des parents qui vont au travail plus tranquille parce qu'ils disposent de systèmes de garde. Les déchets, tu y as fait allusion, je pourrais en parler longtemps, mais bon, je ne vais pas insister. Donc vous savez que nous avons obligation d'harmoniser les déchets. On devait le faire avant fin 2021. On a eu 2 ans de rab et on va le faire. Il fallait que nous décidions au moins de l'harmonisation avant la fin 2022. Ce qui est fait partiellement sur 2 secteurs, Agassiz et Malétroit. Guerre, compliqué parce qu'on a un prestataire qui n'est pas le même, qui a un contrat qu'on ne peut pas rompre comme ça. Donc l'objectif, les modalités ont un peu changé sur ce secteur ici. On va investir un certain nombre de matériaux, de matériel roulant pour cela. Et donc là, on a obligation d'harmoniser aussi à terme les tarifs. Donc il y avait un écart entre Malétroit et le secteur de la Gacie. On essaie de le rattraper et on ajustera les choses d'ici à 2 ans avec une facturation selon le nouveau système à blanc en 2025 et une mise en œuvre du nouveau dispositif en 2023. Et puis, on a mis en place, puisque c'est un budget qui est en déficit, et donc il faut que nous couvrions le mieux possible le déficit. Donc on n'est pas obligé de ramasser les ordures ménagères pour les entreprises, et donc on le fait, sauf pour certains matériaux particuliers, puisqu'il y a des règles, et on a mis en place une redevance pour les professionnels pour atténuer la charge, notamment des ménages. C'est un dossier important, mais vous serez tenu informé de son état d'avancement. Tu as parlé de la Maison France Service, je n'insiste pas. L'État se désengage de plus en plus, on n'a plus de trésor public, on n'a plus de poste. On nous demande de faire à la place de l'État, et c'est ce qu'on fait avec des permanences. On a une Maison France Service à Séran, on a une à Guerre, il va y en avoir une dans les semaines, les mois qui viennent, à La Gacie. Et puis, j'avais noté aussi qu'on est sur le très haut débit, à la fibre, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on court après le temps, des fois, je vous dis que ce n'est pas forcément justifié, notamment en matière de transport. On gagne du temps, mais finalement, ça coûte cher. On pourrait investir des fois dans d'autres choses. Mais la fibre, c'est important pour les entreprises, pour les particuliers. Donc, progressivement, elle se met en œuvre. La Gacie, Guerre, Malétroit, et puis alentour, c'est une enveloppe de mémoire de 3,5 millions d'euros sur 5 ans. Donc, ça coûte à la collectivité 750 000 euros sur les 5 années. Donc, c'est un investissement très important. Pour l'avenir, je ne parle pas des piscines, on est en discussion en ce moment. Avec Malétroit, c'est réglé, avec Séran, ça n'est pas tout à fait. Mais je pense que ça va l'être pour qu'elle participe à hauteur de ce qu'elle devrait participer pour le fonctionnement des piscines. On n'oublie pas non plus les plus démunis. On a un dispositif sur 4 communes du Sud, territoire zéro chômeur, pour, comment dirais-je, positiver les chômeurs en leur proposant des activités et en rendant actives leurs prestations de chômage, complétées par
un dispositif d'aide à côté, mais ça leur permet de travailler, de lutter contre l'isolement des logements d'urgence. Hein, chez Stel, 3, sur le secteur Guerre, Lagacy et Malé 3, où on peut accueillir ponctuellement des personnes. Tout ça autour d'un projet de territoire qui nous donne le cap, que je vais présenter aux élus, puisqu'on a eu la pandémie, on n'a pas pu le faire le 10 février, à tous les élus municipaux, en leur disant quelles sont nos priorités. Tout ça dans un contexte particulier, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi où on a, nous, des problématiques d'augmentation des coûts des matières premières, de l'énergie. Il faut en faire en sorte qu'on n'augmente pas la fiscalité de manière trop importante, parce que ça joue aussi sur le pouvoir d'achat des ménages. On essaie de gérer au mieux, de manière rigoureuse, les fonds qui nous sont confiés. C'est une obligation. Il n'empêche qu'il faut que nous continuions à investir, parce que vous savez que à 70% des investissements, c'est les collectivités comme les miennes, comme les nôtres, villes, communes et communautés communes qui le font. Mais il faut rester dans des limites raisonnables. Et puis on a mis en place aussi pour les communes les plus en difficulté, non, mais qui ont moins de moyens, un fonds de solidarité, selon différents critères sur lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail, de 210 000 euros qui entrent en service cette année. Donc tout ça, c'est un peu des exercices d'équilibriste dans le contexte actuel. En tout cas, moi je crois aussi en l'avenir, en les forces vives que nous avons ici, humaines, patrimoniales, naturelles, avec des problématiques qui vont nous arriver aussi sur l'assainissement. On l'a vu, là on a de l'eau, mais en été on n'en avait pas beaucoup, donc sur la ressource en eau, ça va être une denrée de plus en plus rare. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail, mais je puis vous assurer que les élus communautaires sont à pied d'œuvre et à la tâche, et qu'on est là nous pour servir tous ensemble la population de manière solidaire et en concertation avec les communes. En tout cas, et je termine, je voudrais vous présenter, et à la commune en particulier, et à tous les élus, à vous tous, mesdames et messieurs, mes meilleurs voeux pour l'année qui vient, le meilleur possible pour vous en 2023, et puis pour reprendre, et je partage ce que tu viens de dire, qui ose gagne, ensemble et pour l'année. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Merci pour tes explications, Jean-Luc. Donc pour terminer, je souhaite reprendre la devise de Saint-Marcel, qui ose gagne, comme aimait la citer si souvent Armel. Alors, sachons ensemble oser pour l'avenir de Saint-Marcel. Je souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2023. Nous vous remercions de votre attention. Et avons maintenant le plaisir de vous convier au verre de l'amitié. Merci, bravo.